Hey, salut tout le monde, c'est Foudrage. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Medieval Dynasty. J'ai les taxes à payer. J'ai à peu près 2190 taxes à payer et j'ai que 1124 d'argent. Il faut que je vois un petit peu ce qu'on peut faire. Déjà ici, au niveau. Bon, j'ai quelques choux, j'ai ramené des carottes, mais je n'ai pas de viande. Pratiquement rien, donc ça va pas le faire. Faut qu'on regarde pour les outils alors des chasseurs. S'ils ont plus d'outils, on est coincé. Donc on a... ouais, ils en ont plus. Ok, donc ils en ont plus. Je vais faire des outils en pierre, mais bientôt je vais remplacer tout ça par des outils en fer. Donc déjà les bâtons je récupère. J'ai 5 de fer. Je vais te récupérer un peu de pierre. Tac. Ouais. On va récupérer un maximum de bâtons. Et on va... on va essayer de faire des outils. Je pense que je vais remettre quand même encore un autre bûcheron, je pense, parce que il galère un petit peu à faire du bois de chauffage et je me dis qu'un autre bûcheron, ça peut être pas mal encore. J'en ai déjà pas mal, mais il m'en faut vraiment pas mal. Il m'en faut vraiment pas mal. Alors, bon, on va déjà voir ce que je peux faire avec. On va partir sur du 10. On va partir sur du 10. Et après, faut vraiment que je bosse pour les outils en fer. Je me dis que les outils en fer devraient... ça devrait aller mieux. Le problème, c'est que les outils en fer, le fer, faut le chercher très loin. Et à pied, ça prend du temps. Et je crois qu'en plus, c'est assez lourd. Donc je peux pas en prendre non plus beaucoup. D'ailleurs, bon, je termine déjà le craft. Et après, faut que je regarde un petit peu les bâtiments des maisons. Pour voir un petit peu comment c'est réglé. Je pense que j'ai peut-être mal réglé quelque chose. On va voir pour les bâtiments de bûcherons. Ok, alors gestion. Bâtiment. Extraction. Ok. Tac. Alors, j'ai des rondins et on va virer les rondins. Et je veux vraiment bois de chauffage. Donc, le premier, c'est que bois de chauffage. On est d'accord? Ensuite, toi, t'es réglé sur 50% de bâtons et 50%. Donc, on va t'enlever les bâtons. Et je vais te mettre à fond là-dessus. Ok. Et le dernier qui est 50% un peu de tout. Ok. Tu vas enlever les bâtons. Et tu vas bosser sur les rondins. Et après on va voir. Est-ce que si j'ai plus de rondins ou quoi, on verra. Ouais, je pense que c'est le mieux de faire comme ça. J'aurais juste pas de bâton là qui va rentrer. Et non. Je voulais pas te parler. Je vais pas prendre les bâtonnets parce que je crois que ce sont des arbres futurs qui arrivent. Et j'ai pas envie que d'enlever les arbres futurs qui arrivent. Donc
Donc, je vais enlever plutôt les... ceux-là. Alors, faut que je regarde encore quelque chose parce que j'ai la chasse et je sais pas s'il y a quelqu'un dans la chasse. Pas dans la chasse. S'il y a quand même quelqu'un qui se trouve dans la chasse, donc il faut que je fasse gaffe parce que eux aussi n'ont pas de matos. Finalement, il m'en faudra un peu plus. Voilà. Et toi, je vais encore faire 5 de plus. Et après, soit j'achète la recette pour faire des couteaux en fer. Soit je continue en pierre, je ne sais pas, on verra. On va voir ce que ça va donner. Mais là, franchement, mon problème, c'est les ressources de bâtons qui montent plus. Ça va poser problème. Ok, toi c'est bon, t'as tout. Ensuite, faut pas oublier aussi pour les haches. Là, j'en ai plus. Ouais, en gros, on va en faire 15. Là, le problème, c'est que les haches, c'est 10 de bâton et 2 de pierre. Si on en fait une vingtaine, il me faudra à peu près 200 de bâtons. Ça va être long de prendre des bâtons. Alors là, je peux pas faire de la nourriture et la vendre encore. Donc pour l'instant, je peux pas payer les taxes. Donc on verra. On verra, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, je ne pourrai plus payer les taxes. Hein. Je verrai pas comment je peux payer mes taxes en fait. J'aurais vraiment du mal à payer des taxes. Alors je récupère tout ça. Je vais trop galérer pour payer les taxes. Bon, on va déjà faire que 5 quoi, ça fait chier. Je peux en faire que 5. Ouais, c'est les bâtons qui fait chier. Hein. Que je regarde si j'ai pas quelqu'un qui est dispo pour un bûcheron. Est-ce que quelqu'un est dispo? Ça c'est mon fils, je pense. Et tous les autres... Ah, c'est des enfants ça, je crois. Ouais, je crois que ça c'est des enfants aussi. On voit pas sur la... On les voit pas sur la map, donc je pense que c'est des enfants. Mère. Ah, c'est devenu des mères, donc forcément ils vont plus travailler. Faut que je regarde alors qui c'est qui reste en chasseur. Donc là j'ai 2 chasseurs. 3 chasseurs. Ok, donc ouais, j'ai perdu des chasseurs forcément. C'est normal.
C'est normal vu qu'ils sont devenus mères. Tac tac. Technologie. Je voudrais juste voir combien me coûte pour faire les couteaux en fer. Forge 1 alors? Non. Ah merde. Je peux pas faire de couteau en... On va regarder dans la forge 3 alors. Couteau en fer. Ah oui d'accord, ok. D'accord, bon ben c'est pas grave, je laisse tomber pour ça. On va continuer à en faire alors. Enfin, je vais continuer à en faire en pierre. Je vais les faire en pierre, tant pis. Hein. Tant pis. Il n'y a plus personne de disponible quoi, ça me... Ça fait un peu chier quoi. Y'a qui que je peux virer qui me sert plus à rien? Ah, c'est vrai que le collecteur il me cherche que de la pierre. On m'intéresse pas trop. Parce que j'ai pas mal de pierres. Le pêcheur, en fait, le pêcheur finalement, je crois que je lui ai mis une lance pour voir si. S'il l'utilise, mais il ne l'utilise pas, donc à la rigueur, le pêcheur, je peux le virer, ouais. Je pensais qu'il allait pêcher avec la lance, mais non. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire un autre bûcheron. Bah tiens, oh, les outils que j'ai demandé. C'est vrai que j'avais demandé des outils. Donc super, il me les fait, c'est très bien. Les rondins, je vais t'en prendre 13. Un peu lourd, mais ça devrait aller pour bouger, ouais. Je vais remettre un autre bûcheron. Et après, je vais virer les bûcherons et remettre d'autres... Enfin, je vais virer les cabanes de bûcherons pour mettre des cabanes level... Level 2 là ou level 3, je me rappelle plus s'ils sont. Quel level? Je crois que c'est des level 1 là. Extraction, tech. Voilà, moi je voudrais celui-là, mais je suis encore loin. Enfin, je sais pas combien. On va voir là, je suis à 1986. Si je te mets l'abri à bois. Est-ce que j'ai une pelle de construction là? Un marteau de construction, non. C'est parti. Et de la paille. La paille, ça ira vite. De la paille. Non. Oh, ne me dis pas que... Si, j'en ai un peu quand même. Je crois qu'il m'en faut 8, 16. On va en prendre 16 au cas où. On va en prendre 16 au cas où parce que je suis pas sûr de... J'ai vu 8, mais je sais pas si le toit il fait. C'est un toit complet ou quoi. Si, d'accord, c'est un toit complet. Ensuite. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Extraction.
1980. En fait, j'ai pas monté beaucoup, quoi. D'accord. C'est pas grave. Alors, chasseur. C'est Nadbor. Nadbor. Extraction. Attribue un travail. Nadbor. Tac, pêcheron. Hop. Je vais t'en mettre 3. Top top top, mais c'est déjà quand même un peu mieux. Toi, tac, et là tu vas me chercher à fond, à fond, à fond, à fond, à fond des bâtons. Donc, j'ai un bûcheron qui me fait bois de chauffage, j'ai un bûcheron qui me cherche des rondins, j'ai un bûcheron qui me fait les bâtons. Et un autre qui me charge des rondins. Normalement, ça devrait aller. Niveau bois de chauffage, ça monte très vite maintenant. Ça, c'est très bien. On va essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Si je vois que jamais ça monte trop vite, je baisserai un petit peu. Mais je crois que le bois de chauffage est calculé aussi par rapport aux rondins. Mais je suis pas sûr. Bois de chauffage 47. Je crois qu'en hiver ça change. En hiver, je crois que ça consomme plus, donc je peux pas baisser pour l'instant. Il faut absolument que je vois en hiver ce que ça donne. Je vais garder les bâtons, je vais même récupérer celui-là. Je vais récupérer la paille et on va commencer à réparer. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment améliorer les bâtiments. Faudra que je regarde ça. Je ne sais pas encore exactement trop comment améliorer, mettre des murs en pierre. Mais on regardera ça. Enfin, ça c'est pas urgent, ils ne font pas trop chier là-dessus. Par contre, ça serait bien peut-être d'avoir des sortes de quêtes. Par exemple, le PNJ dirait « Ah, attends, je voudrais bien que tu me fasses un mur en pierre. » Ou voudrais que tu m'installes les murs en pierre. Ça peut être des quêtes assez sympas. Après, c'est des quêtes de construction, donc ça pourrait être... Il pourrait nous donner pas mal d'XP pour faire les murs en pierre. Tout ça, c'est des petits trucs que je verrais bien, quoi. Bon, je pense qu'on est bon au niveau réparation. Voilà, les bâtons ça augmente. Rondin ça augmente aussi. Donc ça a l'air d'être assez bien équilibré. Ok, ensuite, il faut que je regarde pour la viande maintenant. Parce que je dois me faire de la nourriture. Ouais, c'est pas beaucoup quoi. C'est pas beaucoup, hein. C'est embêtant ça. Ah non, là c'est là-dedans.
Ok, alors. Donc elle est là. Je vire. Non, je vire toi. Et là, c'est quoi? Artisanat. La taverne. Carotte. Je suis obligé de faire comme ça, quoi. 50-50. Fait quand même des ragoûts. C'est qui m'a fait les ragoûts je sais pas trop. Bon, on va déjà récupérer tous les choux parce que je pense que je pourrais pas faire grand chose au niveau nourriture. Que 14. Je viens de finir mes ragoûts. Combien t'es à ragoût? À 50%. Je vais juste en prendre un pour que je puisse manger alors. J'ai pas mal de bouffe, mais voilà. Non. Tac. Ok, ensuite. Le problème du forgeron, c'est qu'il me fait 50-50. Je vais vous montrer. Non, c'est pas là. Forgeron. Il fait 50-50. Donc un coup il fait ça, un coup il fait ça. C'est très embêtant, vous voyez, parce que il avance pas vite au niveau outil. Ça c'est très embêtant. J'aurais préféré dire au PNJ, toi tu me fais ça, tu me fais ça, et après seulement tu me fais les couteaux. Parce qu'il fait ça, il s'arrête. Il fait ça, il s'arrête. Il me le termine jamais en fait. Enfin si, il me le terminera un jour ou l'autre, quoi. Il va me le terminer. Mais au lieu de... Par exemple, au lieu de prendre un jour pour me faire une hache, il va peut-être me prendre un jour et demi pour me faire une hache. Et le couteau, c'est pareil, un jour et demi. Donc... je ne sais pas. Par contre, si j'en mets deux... D'ailleurs, c'est ce que je pense que je pourrais faire. Bon, on va déjà voir qu'est-ce qui... Bûcheron, bûcheron, bûcheron. Le collecteur, c'est pour les champignons. Bûcheron, bûcheron. Travail agricole. Lui, je vais le laisser. Comme ça, j'ai pas besoin de m'en occuper. Chasseur, chargeur, forgeron. Aubergiste. Ouais. Elle peut changer de boulot. Parce que finalement, c'est moi qui va faire la bouffe. On va faire comme ça. C'est moi qui va lui... Forgeron, forgeron 2. Forgeron. Voilà, je pense que les deux vont bosser. Et faut pas que j'oublie de mettre un marteau. Je vais refaire un autre marteau parce que j'ai... Oh, j'ai des bols ici. Je sais pas pourquoi il y a des bols ici, mais ok. À rondin, je vais prendre 11. Voilà, je vais faire des bols aussi, des bâtons.
Tac, je vais faire un maillet en plus pour le forgeron et après on va voir pour donc bâton. Les ragoûts, je vais me dépêcher à les vendre parce que plus le temps passe et plus il pourrit en fait. Là, je vais partir sur mes bols. Voilà. On va partir sur les bols. Je vais en faire 12 pour faire. Je vais utiliser mes 12 rondins directement. Et après, faut que je regarde pour les chasseurs, quoi. Mais bon, on ira dans la direction du village pour vendre la nourriture. J'aimerais bien un cheval, mais 10 000 le cheval, ça fait un peu, ça coûte un peu bonbon. Tac. Ça coûte un peu bonbon. J'ai une quête d'ailleurs ici, j'ai même pas fait gaffe. On va voir la quête, on va voir si on peut lui récupérer la quête. Vous voulez pas les couteaux? Ils veulent pas les couteaux? Je ne sais pas. Là, il y a un problème. Faudra que je regarde ça. C'est qui a la quête? C'est toi? Alors, puis-je t'aider? C'est pas d'aller chasser, mais il me manque encore. Bien sûr. J'aime pas ces quêtes-là. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Car s'il me demande. Des flèches en pierre. Oh, ça va, c'est des flèches en pierre. Alors, il me manque des flèches en pierre? Flèches en pierre, 28. J'en ai que 26. D'accord, pardon. C'est de ma faute. Ah, des flèches en pierre. Alors je pense qu'il faudrait que je les fasse parce que je crois que j'en ai plus en stock ici. Ok, bah je vais les faire avant de partir, donc je vais récupérer des bâtons. De la pierre, je sais qu'il m'en faut à peu près 10, mais on va en prendre 20 au cas où il a besoin de 20. Et des plumes, je vais en prendre 71, mais je suis largement bon. Je crois que c'est 52 plumes. Un de bâton? Ah, ok. Je m'attendais pas trop à. Je me rappelle plus que c'était autant de bâtons là, mais c'est pas un problème. Mais avant de faire ta quête, alors je vais. Je vais au jardin parce que là je peux pas récolter du bois, revenir faire des flèches, lui redonner. Là les magasins dans le village vont aller dormir. Je vais récupérer des bâtons en marchant, en courant comme ça. C'est pas top parce que je vois rien du tout, mais au moins je peux récupérer des ressources sur le chemin. Bâton, pierre, champignons, je vais tout récupérer sur le chemin. Bon, il y a des quêtes aussi là-bas. Je sais pas s'il faut que je les prends, les quêtes là. Ça m'ennuie parce que
Il faut que je paye mes taxes et si je m'amuse à faire des quêtes, j'aurai peut-être pas le temps de m'occuper de mes taxes. Déjà toi. J'ai pas gagné grand chose. Donc c'est à lui de payer, que je dois payer mes taxes. C'est toi qui as une quête, non? Ou c'est celui-là derrière? C'est celui-là derrière. Je veux juste voir ce qu'il a besoin. Alors, ah. Et ça a été détruit, ça a détruit sa maison. Donc là, c'est juste des ressources qu'il a besoin. Bon, j'ai déjà donné une partie des ressources. Oh, non, j'aurais pas dû. Ah, c'est juste de la pierre. Ok, je m'en fous alors. Ouais, je m'en fous. Je vais lui redonner des rondins. Normalement, les rondins repopent plus ici. Hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans un des épisodes, mais maintenant, quand vous volez une fois au village, oh si, c'est revenu. Je crois que ça revient mais plus longtemps. Ça reprend plus de temps. Ça reprend plus de temps pour que ça arrive. On avait une autre quête ici. On va voir un petit peu ce que... ce qu'il y a comme quête là. Alors, il veut des outils, je peux le faire. Enfin, ça dépend quel outil. Là, il veut une hache, c'est bien, mais... hache en pierre. Il en veut 3 et j'en ai que 2. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire une hache en pierre? Ah, j'ai assez pour t'en faire une. Ok, donc celle-là, on peut la terminer. C'était toi? 15 de réputation en plus, ouais. C'est pas incroyable, mais ok. Il faut que je regarde les maisons là pour voir s'il y a de la place. 2 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 2. Ok, il y a juste une maison qui est dispo mais qui n'est pas encore construite. Ça va attendre alors. C'est pas grave, ça va attendre. Ouais, le bois de chauffage augmente très vite. Donc faudra que je vois pour la diminuer un petit peu quand même. C'est le temps de travail en fait qu'il faut que je diminue. Bon, ici à la rigueur, je pourrais récupérer les bâtons. Parce que ici, je sais pas si les arbres, si les bâtons là deviennent des arbres ou quoi. Ouais, voilà, c'est bon. Bon, parce qu'on va faire ce que je vais faire des flèches, je vais redonner les flèches pour terminer ma quête. Les taxes, ça va être... je pense, je suis pas totalement sûr, hein, mais je crois que c'est cuit hein, pour les taxes. J'arriverai pas à les payer. À moins que là, j'ai vraiment une grosse production de viande qui arrive. On verra, on va regarder quand même pour être sûr, mais je pense que ça va être difficile. Bon, je récupère quelques bâtons sur le chemin. Tac. Je voudrais juste voir. Là, il va me manquer, c'est quoi? Ça va être la pierre, je pense. On va refaire encore un petit tour et on va récupérer de la pierre. De
la pierre. Est-ce que j'ai une torche? Oui, comme ça vous allez voir un peu mieux quoi. Ok. Je me rappelle plus, mais je crois que les flèches se fait direct. Hein. Ouais, ça se fait direct. Ok, merci. Voilà. Elle est partie chasser directement? Non, ou alors elle est chez elle? Ne me dis pas que tu dors. Non, ça va, tu dors pas. Tiens. Donc 6 fourrures et 125 de pièces. Ouais. Ça c'est bon. J'espère qu'il me cherche de la viande là et que c'est pas un bug parce que j'avais deux gars qui cherchaient pas de viande. La viande ne monte pas vite. Hein. Je crois qu'il y a un problème quelque part mais je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il se... Ouais, ils ont encore des outils et tout alors... Hein. Bon, de toute façon là je vais aller dormir. Je vais aller dormir. Ok. S'ils ne partent pas chasser, ça va poser problème. Je sais pas trop pourquoi ils veulent pas chasser. Est-ce qu'il leur faut forcément des outils pour chasser aussi? Comme des lances? Je ne sais pas, c'est ça le problème. Toi, je te récupère. On va juste tester. Hein. On va tester pour voir si, si avec la lance il part chasser. Parce que je comprends pas pourquoi il y va pas. Je sais qu'il leur faut un couteau pour dépecer. Donc ça c'est normal. Mais eux là avant ils partaient pas. Et pourtant ils ont pris le couteau. Hein. On va leur mettre quand même une lance pour voir. Juste pour voir, vous voyez, si elle récupère. J'ai pris la viande ou pas? J'ai pas pris la viande. J'ai aussi acheté des graines de pommes. Ça, je me rappelle plus si je vous l'ai dit ou quoi. Dès que ça sera débloqué, on aura de quoi faire. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas si je vais continuer. Donc on verra bien. Je pense que cette semaine ça va être difficile pour avoir des épisodes. Parce que ce week-end j'ai pas fait d'épisode. J'ai pas joué beaucoup ce week-end. Et donc je ne sais pas du tout si dans la semaine il y aura des épisodes ou quoi. Bon, il y aura déjà celui-là, ça c'est sûr. Mais après les autres je ne sais pas du tout. Voilà, donc bah, moi j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à le commenter, à partager, à aimer. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite. Allez, à plus.